Bonsoir. Bonsoir. Liège. Ça va? C'est magnifique. Je suis venu un petit peu plus tôt dans la ville de Liège pour visiter un petit peu. Je suis revenu au bout de 4 minutes. Et c'est... Non mais c'est bien, hein, c'est bien ici, c'est super. C'est... J'adore cette ville, c'est magnifique. Vous êtes beaux, j'ai envie de vous embrasser un par un tous. Vraiment. Avant de commencer, il faut absolument que j'appelle ma femme parce que depuis ce matin, elle ne répond pas. C'est un petit peu énervant, je me suis disputé avec elle. Voilà. Et tu sais, elle ne répond pas, elle fait exprès de raccrocher. Donc j'en ai pour 2 minutes, hein, vous pouvez rester là 2 secondes. Allô? Ouais, ça va? Attends, je comprends pas pourquoi tu rêves. Allô? Salut chérie, ça va? T'es où chérie? Hein? Ah bon, comment ça se fait que tu sois partie si tard? T'as rencontré qui? Ah d'accord, ça t'a pris tout ce temps. Il est sympa? Il est drôle? Quel connard alors. Mais il t'a fait rire? Ah d'accord, mais t'as ri devant lui? D'accord, donc il t'a vu rire alors. D'accord, voilà. Mais il t'a demandé ton numéro? Il avait déjà. D'accord. Et toi, t'as demandé son numéro? Toi aussi, tu l'avais déjà. D'accord, oui, t'es en train de m'embrouiller alors. D'accord, voilà. Mais tu l'as déjà appelé? Une fois ou deux? Ah ben ça va chérie, ça, mais une fois ou deux? Parce que c'est pas pareil, t'aurais pu l'appeler une fois comme ça pour lui demander un truc. Ben ouais, mais deux fois, tu fais ta pute, hein? Voilà. Hein? Mais non, mais 2 minutes chérie, mais attendez, pourquoi tu veux raccrocher? Tu veux pas parler au volant? Ah d'accord, ben parle-moi à moi alors, hein? Mais non, pas du tout. Mais dis-moi, t'as pensé à moi aujourd'hui? Ah, c'est gentil. Et cet après-midi? T'as pas pensé? C'est pas grave. Vers quelle heure t'as pas pensé? Mais je te dis ça parce que moi, j'ai pensé à toi toute la journée. Bah ouais, je me demandais ce que tu faisais, avec qui t'étais, avec qui tu parlais, avec qui t'as déjeuné. T'as déjeuné avec qui? Seul? Bah pourquoi tu m'as pas appelé? T'as pas pensé? Rien à foutre de ma gueule, hein? Mais non, mais pas du tout, chérie, parce que tu sais, aujourd'hui, je lisais ton magazine que t'aimes bien, ouais, et en tournant les pages, j'ai vu que t'avais fait le test, là, en double page, j'ai posé la question, quel infidèle êtes-vous? C'est bien, hein? Ouais, t'as quand même eu 18 bonnes réponses, quand même, hein? Je sais que c'est un jeu, chérie, je sais, t'as quand même fait un sans faute. On peut pas faire mieux, voilà, c'est ça, salope, voilà. Voilà, hein? Hein? Mais non, mais pas du tout. Mais attends, mais pourquoi tu vas raccrocher? Mais non, mais t'as un double appel, c'est qui? Richard? Bah tu réponds pas. Mais c'est pas grave, chérie. Bah oui, mais regarde. Mais non, il va laisser un message. Regarde, il laisse un message et ce soir, quand je rentre, on l'écoute. Hein? Bah ouais, ensemble, on fait tout ensemble, chérie. On est un couple, hein? On se lâche. Ah! Voilà, hein? Mais attends, mais t'es resté combien de temps avec Richard? 5 ans? T'as couché avec lui? Tous les jours ou des fois tu sais pas? Hein? Mais non, mais pas du tout, chérie. Parce que... Mais non, mais écoute-moi, parce que t'es parti vite ce matin, chérie. J'ai pas eu le temps de vérifier, enfin de contrôler, de voir comment t'étais habillée. Qu'est-ce que t'as mis? Le jean blanc? Ah, super, chérie. Et le taille basse? Ah, j'adore, il te va super bien. Et tu t'es baissé pendant la journée? Tu t'es baissé? Ah, ouais, donc tout le monde a vu ton cul alors, hein? Voilà, c'était la journée de la pute, alors voilà. Mais non, mais pas du tout, mais ne raccroche pas. Mais c'est pas que j'ai pas confiance, chérie, c'est que j'ai aucune confiance. Mais non, ne raccroche pas, je t'en supplie, chérie, on apprend à se connaître. Mais écoute-moi, ne raccroche pas. Ah, raccroche, on peut pas lui parler, c'est une malade mentale. Quoi. Sur la scène du forum ce soir, Harry Habitant.